Alors, nous sommes arrivés à Sakatia. Oh, c'est le paradis! Et puis Corinne, elle n'a pas pu s'empêcher de tout de suite sauter dans l'eau. Ah ouais, ça faisait depuis qu'on est parti de Mayotte que je me suis pas baignée. Ah, quand même? Ah ouais, ben, c'est pas très propre, hein, au cratère, l'eau. Puis l'eau, elle a combien, là? 27, je crois. Ouais. Ouais. Voilà, petit mouillage sympa, tranquille. Voilà, quelques tours de bateau pour se faire un petit peu d'exercice. Rideau étiré, ce matin nous partons à la découverte des tortues ninja. Allez, c'est par là-bas que ça se passe. Donc paraît-il qu'il y a des belles tortues ici, tortues vertes. On va aller voir ça. Oh, ça branle. Ouais, c'est pas grave, ça tient. C'est parti. Allez, c'est parti.
magnifique. Superbe. C'est tous les mêmes? Ouais. Ouais. Mais je vais prendre un poisson pour le déjeuner. Ça va? Ok. Allez, oui. Pas un grand. Ouais. Magnifique. C'est beau. Combien ça coûte ça? Bonjour. Comment ça va? Ça va? 5 000. 5 000? D'accord. Ça va, 5 000? Ça va, 5 000. Oui, c'est bon. Oui. Merci. Voilà. Merci. Merci. Bonne journée. On fait un petit tour sur la plage pour se dégourdir les jambes. Enfin, je suis toute seule. Michel a été choisir un restaurant. Il y en a 2 ou 3. Je le retrouverai plus tard. Allez, une petite vue. Magnifique. Bonjour. Ah ouais, là j'ai été faire une nave là. Et ramener le bateau droit devant le restaurant. Voilà. Ici, vous voyez des nappes qui sont brodées. Donc, c'est les dames qui font ça sur la plage. Et elles brodent ça avec un point qu'on appelle ça en couture, le point Richelieu. Et ça fait des très, très, très jolies nappes. Et là, il y a une dame qui est en train de broder. Thank you.
ça, ils appellent ça des pak-paks. C'est une sorte de petite galette frite à l'huile. Je suppose c'est farine et sel et un petit peu d'eau. C'est bon les pak-paks? Délicieux. Dans une petite sauce piment là, que, comme j'aime. Ça, c'est notre gardien de l'annexe. C'est lui qui surveille notre annexe. Il est trop mignon. On va faire un tour de contrôle. Sakatia, et puis on va aller sur l'archipel des Mitio, qui est distant de 35 milles d'ici à peu près, mais il n'y a pas de vent, alors 0, 0, 0, rien du tout, donc voilà, ben, là on est entre Sakatia et Nosibé. On est entre deux, là, il y a des pêcheurs devant, je me gaffe, je ne sais pas s'ils mettent les filets, non, ils ont enlevé les filets. Et puis on va passer sur du peu profond, on a juste une petite passe à passer, c'est sympa. On a 13 mètres de fond, on devrait tomber à 3 mètres de fond sous en haut. Bonjour! Voilà. C'est de la brioche avec de la Nutella au milieu. Oh le boulot, ouais. C'est pour qui? C'est pour nous. Ah bon. C'est déjà bon comme ça. On n'a plus qu'à mettre au four. Oui. Puis le Nutella il va fondre. Ouais. Ah bon. Faut que ça lève encore, hein. Pour une demi-heure, faut que ça lève, après au four. Oh là là, un pour toi, un pour moi alors. Oui. tout ça en navigation. Ouais, j'en ai mis partout. Fille pas le bordel. Non, mais je monte pas. C'est bientôt prêt. C'est beau, hein. C'est magnifique. Mais tu peux pas en manger avant que ça soit froid, hein. Bah, on peut laisser traîner dans l'eau un moment. Bah écoute, t'en auras plus comme ça. Ça a l'air bon, hein. Attends, je goûte. Pas mal. Pas mal. Pas mal du tout. On arrive bientôt? On arrive au Mitio, on est à 4000 de la passe d'entrée, ouais. On a un superbe vent, 11-12 nœuds, portant, 3 quarts arrière. C'est juste magnifique. Comme on aime. Magnifique.
Et voilà les îles au loin. L'archipel du Missio. Du Missio. C'est tout ce que vous verrez aujourd'hui. Ouais, on vous montre rien de plus. Hein. Voilà. C'est fini. C'est pour la semaine prochaine. Allez, bisous à tous. Salut les copains. Et à la semaine prochaine. Bye bye.